Est-ce que vous estimez, vous, que la mairie de Paris a engagé sa responsabilité de maire, y compris sur le plan budgétaire? Alors, est-ce que c'est une cour de discipline budgétaire? La Cour des comptes devra regarder cette affaire de près. Mais vous savez, il y a déjà eu des rapports à charge de la Cour des comptes depuis 2014. On n'a pas beaucoup redressé la barre. Il y en a eu sur des collaborateurs de cabinet, par exemple. Il y en a eu sur les marchés. Alors certaines, d'ailleurs, ont des prolongements judiciaires, comme dans l'affaire Campion et l'affaire des marchés de Noël. L'affaire de la roue de la Concorde et mais des marchés de Noël. Mais cette forme de gouvernance, c'est quand même très préoccupant à ce niveau-là. On voit bien qu'on a des prises de décision qui sont solitaires, non partagées. Évidemment, il faut qu'un exécutif… – Et qui éventuellement des dizaines ou des centaines de millions. – Mais surtout qui sont non préparés et non accompagnés, comme on doit le faire, et qui coûtent toujours des dizaines de millions d'euros.